Avant que la vidéo ne commence, j'ai deux choses à te dire. Alors, la première, c'est que j'ai un Discord. Voilà, lien en description, n'hésite pas à rejoindre. Et la deuxième chose, c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi à 15h. Donc voilà, n'hésite pas à venir un de ces quatre, ça ferait super plaisir. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Invocation sur Sao Ub. Aujourd'hui les gens, le portail de Dusselberg. Je vais tenter du coup, bah, techniquement 5 steps, hein, parce que je vous cache pas que ma team feu physique est nulle à chier. Donc bah, on espère avoir de la chance. Avant toute chose les gens, si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Voilà, ça soutiendra énormément la vidéo et la chaîne, donc je compte sur vous les gens. Merci à tous. Bref, nous sommes partis. Donc portail extrêmement intéressant, hein, comme je l'ai dit dans l'analyse. Franchement, très intéressant. Il y a le Dusselberg qui est garanti au step 5. Il y a le Ishkan qui a l'aspect à 200, donc très très bon. L'Aloni, bon, l'Aloni par contre, c'est le seul point noir de ce détecteur, je trouve. L'admin, vraiment pas mal encore, je pense. Je pense qu'elle est pas mal au moment de son de la charge, bon, c'est Osef. Multiplier la charge de 1,3 sur même. Oh. Oh, je sais pas. Et infliger les dégâts continus de feu. Ah, dégâts continus, pourquoi pas. Ah ouais, l'admin, pas si incroyable que ça. Mais bon, c'est vrai que les physiques feu. Voilà, c'est, je pense qu'elle peut trouver sa petite place quand même. Le bêta tester Kirito. Alors lui, je crois que c'est bien. Restant cycle 20%. Ouais, pas mal ça. Le mode annonce qui donne. Soit achevé sur tous les alliés. Ok, pourquoi pas. Dégâts crit plus 10% sur tous les alliés. Ouais, d'accord, c'est pas mal ça. Hein. Ça c'est pas mal, l'assaut c'est bon, la charge aussi, ouais non, pas mal le Kirito, bien complet comme il faut. Et là Azuna, Azuna progressif, c'est un gros break, bon, il y a le Dusselberg. On monte son dégâts de 20%, on monte son dégâts, d'accord, oh, c'est juste une muqueuse. D'accord, je préférais le Kirito quand même, hein. Je préférais le Kirito. Et là Mito, qui est une sorte de Dusselberg aussi j'ai l'impression, hein. Qui serait une sorte de Dusselberg mais elle a la capacité à briser la volonté, attaque de 7%, ah c'est pour tous les alliés cette fois, ouais d'accord. Ok, ouais, Mito, Kirito et Dusselberg, excellent, hein, je trouve, pour le coup, un bon trio. Donc bon, bah écoutez les gens, c'est parti, hein, step 1, voilà, si on peut clairement choper Kirito progressif, le Dusselberg, ou voilà, ce serait magnifique, ou Mito, ce serait tellement incroyable. Allez, step 1, voyons voir, le Saint step 1, ok, R2 pour l'instant, commence mal, R2, oh ouais, ouais, on commence très très mal. Oh là là, ouais non, c'est mort. Le step 1 est clairement mort. Sakuya. La Frenica. Le Humber. Le Humber. Frenica. Rosalia. Golgorosso. D'accord. La Rosalia. Le Diavel encore, bon, là c'est un step 1, je pense, perdu. Hein, excusez-moi, c'est là qu'un peu... Ah, je vais enlever... Autant enlever Dokkan Battle, c'est vrai. Autant enlever Dokkan Battle. Igom. Et Azurika. Bon, rien du tout sur le step 1. Allez, le step 2. Le step 2, let's go. Dommage qu'il n'y a pas un R4 garanti au step 3, hein. Ça aurait été vraiment cool. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Donc si on pourrait avoir un soupçon de chance, ça serait sympathique. Cela pour l'instant, rien du tout. R2. R2. Oh là là, il n'y a rien. Rien du tout. Ah ouais, rien du tout. Igom. Non, Kibao, pardon. N'importe quoi. Azuna. Azuna. Ouais, putain, dommage. Putain, tu veux pas me faire plaisir avec le perso progressif qui sort là? Putain, quoi. Avec le Kirito progressif, ça ferait plaise. Ah, ça ferait tellement plaise. Alicia. Bon, là, la Sachi. Ah, le Jink. Ouais. Bon. Bon, des steps très tristes, hein, pour le coup. Même pas une petite porte R3, tu vois, pour espérer. Rien. Rien du tout. Écoutez, là, ce portail-là, pour l'instant, ne me veut pas du tout. Et un Rayos. Ah, ouais, putain. Wow, deux steps nuls à chier. Incroyable. Non, franchement, incroyable. Genre, deux steps éclatés au sol. Oh, step 3, hein. Let's go. Ah, tu le sens, hein, les anciens portails, là. Quel plaisir. Heureusement, Dusselberg est garanti au step 3, hein. Putain. Enfin, step 5, pardon. Parce que là,
Là, putain, ça fait très très mal. Hein. Gare, y'a rien! Ah, vas-y, quoi. Oh non, mais... Oh, le scandale! C'est quoi ce scandale? Y'a rien! Y'a rien. Il gomme. Ah, franchement, là, y'a que dalle. Aucune anime, juste merci, au revoir, quoi. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Kagemun. Genre, les multis se ressemblent, hein. Là, j'ai l'impression de faire des multis gratuites. C'est terrible. C'est terrible. Le Jink. Jink x2. Jink x3. Ah non, Kagemun. Et la Cardinal. Ouais, putain, voilà, là. Oh, 3 steps éclatés au sol. Bon, bah écoutez les gens, on va faire une ellipse, hein. On va aller au step 5, hein. On va aller chercher du Solbert au moins, hein. Ça va pas sauver ma team physique, mais bon, écoutez, ça fera quand même, on va dire, une hémorragie en moins pour un team physique feu, mais bon voilà, allez, à tout de suite, petite ellipse. Et re tout le monde les gens, c'est parti, le step 4 et 5, ça y est, j'ai enfin farm. Bon là par contre j'ai absolument tout farm, là je vous cache pas que là le ranking est farm, et même l'ordinal, donc sans déconner là j'ai plus de cubes après ça. Donc bref, step 4 et 5, let's go les gens sur du Solbert, hein. Le step 5 on sait que ça sera lui, mais si le step 4 on peut luck, franchement je dirais vraiment pas non. Hein. Allez let's go, un petit Kirito progressif peut-être, ça serait magnifique. Mais là, 3 steps quand même de la lose. 3 hein. Steps où il n'y a absolument rien. Un step 4 qui va peut-être également enchaîner. Aïe aïe aïe. Alors pour l'instant c'est du 2. Du R2. Oh là là. Ah ouais, non, c'est pas mon portail. Hein. Ah, toucher l'écran bleu. Toucher l'écran bleu, d'accord. D'Akira. Azuna. Allez. Un perso que j'ai pas, ça serait magnifique. Igom. Le Jink. Allez. Please. Là où il faut de l'ascenseur. Humber. Ah là là, Kibao. Ah, Kibao encore. Dommage. Putain, le 3, il va pas passer. Ah, dommage, quoi. Notre meilleur espoir. Alicia. Siyun. Ah, putain. Klein. Ah, dommage. Ah, il y avait... Putain, il y avait moyen. Ah, ça rend con. D'ailleurs, le write-up est sorti, les gens. Admin de Noël et la Eidiso. En vrai, pas mal, hein. Très, très bon write-up, hein, pour le coup. Je sais pas s'il y a d'autres persos, mais en tout cas, là, les 3 persos, déjà... déjà, rien que ça, c'est stylé, hein. C'est déjà très stylé. Ah, il y a Ntoka. Il y a Ntoka neutre. Bah, écoute, Ntoka, très bon encore pour l'instant. Oh, Death Zybeam Aedis. Putain. Nergus, bon. Nergus, ça se tape, mais ça va. Ça va, ça va. Souvenir autrefois, la liste physique. Ouais. Ouais, bof, c'est la moins intéressante quand même. Hein. Admin, ouais, pareil, bon. Ah, Renry neutre, oh non, pas Renry neutre. Et la Edisso, oh, d'accord. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un bon pool quand même. Hein. C'est un bon pool quand même. Hein. Allez, le R4, bon bah, du Solbert, hein. Let's go. Nul, ces invoques, hein. Quand même très très nul. Hein. Franchement, aucune luck. Incroyable, mais écoutez, aucune luck. Hein. Franchement, 4 steps nul à chier. 4 steps très très naze, donc bon, bah écoute, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Alors bon, là, du coup, l'anime qu'on aurait bien aimé de voir dans les 4 premiers steps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Igom. La Alicia. Alors, est-ce qu'on va avoir 2 persos, peut-être? Ah, d'accord. Excusez-moi, il y a eu un petit lag, je sais pas pourquoi. Kibao. La Sachi. Je sais pas pourquoi il y a eu un accéléré comme ça. Bizarre. Diavel. Kibao encore. Ouais, ça sera vraiment qu'un. Oh, c'est nul, hein. Franchement, cette invoque, hein. L'invoque de la lose, hein. Sakuya. Heureusement que du Solbert était garanti, hein. Bon, de toute façon, s'il aurait pas été garanti, j'aurais pas été allé aussi loin, hein, je vous le dis. Honnêtement, hein, jamais j'aurais été aussi loin. Mais bon. Ah, je suis déçu quand même, hein. Parce que honnêtement, le portail valait le coup pour moi. Et au final, zéro luck, hein. Au final, zéro luck. Donc bon. Comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc le du Solbert. El Famoso. El Famoso du Solbert. Et j'imagine en dernier. Allez. Et voilà. En dernier. Ah putain, la lose.
Ah non, c'est incroyable, hein. Là c'est une lose insane pour le coup. Ah là 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 là. Enfin bon, ce n'est pas grave. Bah écoutez, au moins du Solberg est obtenu, hein, j'ai envie de dire. Au moins qu'il est obtenu, hein, donc voilà, si vous ne savez pas trop ce qu'il vaut, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo analyse consacrée à ce perso. Consacrée à son sujet, mais bon voilà, comme ça on va le faire un petit level 100, hein. Pour le coup, bon, je pense pas que j'irai plus loin étant donné que bah les idoles sont arrivées assez fraîchement encore, donc bon. Du coup, plus de cubes, enfin plus de lune feu. Je vais regarder ça, hein, mais déjà je suis surpris que j'ai assez de bouteilles d'XP feu, donc ça va. Ah si, j'en ai 200. Ah ouais, pas mal. Putain, les lunes multicolores, j'en ai pas mal. Hein. Ça commence à faire. Mais ouais, je pense peut-être plus monter. Ouais, hop, le petit doublon du Solberg. Je pensais plus monter la Lifa Idol que le du Solberg, pour être honnête. Parce que Lifa Idol, au moins, elle servira dans les deux teams. Alors que du Solberg, on sait pas trop pour l'instant. Mais en tout cas, ça, c'est sûr, c'est que je vais acheter son arme à du Solberg. Ça, c'est clair et net. Et après... Bah ouais, et après, c'est tout, hein, en soi. Hein. Après, c'est tout. Est-ce qu'un 105... En vrai, il a pas... Ouais, c'est son Madenance. Ouais, wow, non. Même le 105, ça vaut pas des masses le coup. Enfin bref, écoutez les gens, on va s'arrêter là sur cette invocation de Solberg. Bon bah clairement déçu, hein, je vous cache pas là. Je partais dans l'idée, hein, de faire les 5 steps, mais voilà, j'aurais bien aimé taper des persos feu qui me manquent, genre les progressifs, notamment le Kirito. Ça aurait été vraiment cool, mais bon, écoutez, il est pas tombé. Sacré lose, vraiment, invoque de la lose, hein, on peut le dire, hein, franchement, invoque de la lose. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, y a des hauts et des bas, donc bah, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez eu de la chance de votre côté. Bah, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner, et à mettre un petit commentaire, voilà, ça soutiendra énormément la chaîne et la vidéo. Et bah, ça me montre tout simplement que vous avez aimé cette vidéo, donc ça ferait super plaisir. Et bah, du coup, voilà, et encore une fois, si vous vous invoquez sur ceux du Solberg ou les autres portails, ou les prochains persos, n'hésitez pas à... Et si vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à me rec vos multis et à me les envoyer, hein. Il y a un salon vos invoques YouTube, il y a un Google Drive à disposition, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, ciao ciao, bye tout le monde.